Pour la première fois depuis 1972, deux équipes anglaises se rencontrent en finale de la petite Coupe d'Europe. Ce soir à Bakou, Arsenal affronte Chelsea et l'enjeu est grand pour les Gunners, une qualification en Ligue des Champions. Cinquième en championnat, c'est la dernière chance pour Alexandre Lacazette et les siens de se qualifier pour la plus belle des compétitions. Cette finale d'Europa League aura aussi une saveur particulière pour Petr Cech. Après avoir passé 11 ans à Chelsea, le portier tchèque jouera sûrement le dernier match de sa carrière contre son ancien club. La première priorité est de jouer pour gagner un titre. La seconde est aussi de réussir à se qualifier pour la Champions League à travers cette compétition. Du côté des Blues, l'inquiétude plane toujours sur N'Golo Kanté. Touché au genou, le Français n'est pas certain de pouvoir disputer la finale. Maurizio Sarri était lui excédé par la présence des médias lors du dernier entraînement. Il a quitté le terrain, furieux. Je ne veux penser qu'à cette finale. Après, j'ai un contrat avec Chelsea pour 2 ans, donc on parlera avec le club. Je suis vraiment déçu parce que nous faisons ce job pour ce genre de match et on espère voir nos fans ici. La finale fait déjà polémique, le choix de Bakou est remis en cause par la planète football. Dans un stade de 70 000 places, seulement 12 000 supporters des deux clubs pourront assister à cette finale et l'ambiance dans les rues s'en ressent. La capitale azérie était très calme aujourd'hui.